Bon les gars, ça y est, il est temps d'enlever ma coupe qui a trop bien tenu. Je me suis coiffée le 20 décembre exactement, ça fait presque 3 semaines. Je me suis coiffée en Guadeloupe, ça a tenu pour mon voyage en Guadeloupe, mon voyage au Ghana. Et là, il est temps d'enlever quand même, parce que là, c'est bon, faut pas déconner. Donc franchement, je suis trop triste d'enlever comment j'ai kiffé cette coupe. Et comme je suis une forceuse, je pense que je vais enlever. Je vais laisser reposer mes cheveux aujourd'hui. Et demain, je me recoiffe. Parce qu'en plus, c'est mon anniversaire jeudi. Il faut que je sois un peu belle. C'est mon anniversaire jeudi, les gars. Je vais avoir 26 ans. Je pleure quand, en fait? 26 ans, purée de pommes de terre. On dirait même pas que c'est mon anniversaire. J'ai rien prévu. Franchement, cette année, il n'y aura pas de grosses fêtes. Pas de... Franchement, j'ai rien organisé. Là, je reviens de mon voyage. J'ai pas pensé à tout ça. Donc, je sais pas. Est-ce que je fais quand même un truc, mais pas tout de suite? Je sais pas. I don't know. En tout cas, pour l'instant, rien de prévu. Juste, je vieillis. Votre go vieillit. 26 ans. Je me rapproche petit à petit de la trentaine. Et vous savez déjà comment je n'aime pas vieillir. Donc là, je vais avoir 26 ans. Mais s'il vous plaît, on fait comme si je venais d'avoir 25 ans. Ok? Moi, là, demain, on me demande mon âge. Ouais, 25, hein, 25. Là, je reste bloquée à 25. Jusqu'à nouvel ordre, je reste bloquée à 25 ans. OK? Donc, si on vous demande, j'ai 25 ans. Je suis Peter Pan. Je veux pas grandir. Je fous le seum. Bon, allez, on arrête de parler. Et c'est parti pour enlever tout ça. Et faut pas que je coupe mes cheveux, hein. Tu peux m'aider à enlever? Eh oh! Tu dors? Aide-moi à enlever, s'il te plaît. J'enlève ça et après, je m'enferme dans mon bureau et je vais faire du montage. Là, toute cette semaine, montage, 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 montage des vlogs. Je ne vais faire que ça. Donc voilà, laisse-moi prendre un stylo parce que là, sinon, je vais faire ça pendant 3 heures. Là, j'ai trop hâte de voir si mes cheveux ont poussé ou pas. Parce que généralement, quand je me coiffe, mes cheveux, ils poussent de ouf. Mais franchement, vous savez que j'ai trop kiffé cette coupe. Je vous préviens, je la refais demain. Là, franchement, c'est mort. Il fait froid, j'ai la flemme de m'occuper de mes cheveux. Je vais grave me recoiffer demain. Comme ça, je serai un peu mimi pour mon anniversaire. Je vais bien laver mes cheveux, je vais faire des bons soins. Et demain, je refais cette coupe. Je sais pas si je fais des petits motifs ou si je refais comme ça ou peut-être je change un peu de modèle. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir, mais en tout cas, voilà. Est-ce que mes cheveux ont poussé? Je verrai à la fin. J'ai fini. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir gratter son crâne? Mais demain, je me recoiffe. Bisous!